Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un test d'effort, un test de PMA, un test de sprint et tout ça avec mon nouvel entraîneur Lilian que vous allez découvrir au fil de cette vidéo. Le test va se dérouler en plusieurs parties. La première partie c'est 3 sprints de 10 secondes avec plusieurs résistances, une plutôt en vélocité, une moyenne et une en force, afin de voir si je suis plutôt un profil de sprinter véloce ou force. Je tiens à remercier Nolio qui est une plateforme d'entraînement sponsor de cette vidéo, mais je vous en parle plus en détail à la fin de la vidéo parce que c'est la plateforme qu'on utilise avec Lilian au quotidien. Et là, en 2 minutes, je me mets à bloc ça. C'est ça, t'inquiète. Là, si tu fais un sprint le plus explosif possible, tu mets le plus de puissance possible, tu restes bien gainé, bien sûr. Tu te mets debout, bien gainé. Ouais, tu te mets debout, tu mets tout. Tu peux te mettre main dans le creux du cintre, où tu veux. Moi, derrière, je vais tenir l'entraîneur. Et c'est 10 secondes. Okay. Tu n'as pas besoin de regarder l'écran. Moi, je te dis top. Je t'encourage un peu et je te redis quand c'est fini. 30 secondes. Bon, comme vous venez de comprendre avec les explications, on part pour 10 secondes complètement à bloc avec l'objectif d'atteindre des watts maximales, c'est-à-dire établir un nouveau record de puissance max. 10 secondes. Premier sprint terminé, on va voir le résultat. Et t'es monté à 1220 watts. 1220 watts sur ce premier sprint avec 30% de résistance, ce qui représente donc le sprint en vélocité, ce qui est censé ne pas être ma spécialité. Maintenant l'objectif ça va être de battre ce record sur les prochains sprints. 5 secondes. Mieux. 1220 au premier et tu fais 1290. Allez. Donc il est mieux celui-là. Pour te rappeler un peu à quoi correspondent les 3 sprints, plus en force vélocité le premier, plus on avance sur les 3 sprints et plus c'est de la force pure. 1288 watts sur ce sprint à 40% de résistance, ça correspond à 17 watts par kilo quand même. 10 secondes. Ah, on a bien amélioré. On a bien amélioré. Hein. T'as une évolution quand même de 100 watts entre le test, protocole test sprint qui est plutôt en vélocité et le protocole test sprint plus en force. Effectivement, c'est pas forcément étonnant. Que te connaissant aussi sur les courses ou autres, comment tu roules, c'est pas étonnant, mais c'est bon à savoir. Carrément, c'est la preuve. Nouveau record établi sur ce troisième sprint en force, 1341 watts. Ça correspond à 17,88 watts par kilo, ce qui est plutôt un bon score. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui signifie après ces 3 sprints que je suis plutôt un profil de sprinter en force. Bon, pour ceux qui me connaissent un minimum, ils le savent très bien. Je suis pas quelqu'un de très véloce, je suis quelqu'un d'assez justement en force. Donc ça vient juste confirmer les choses que je ne savais déjà. Et maintenant, on va pouvoir, grâce à ça, mon entraîneur, pouvoir établir des entraînements adaptés pour travailler un petit peu tous ces sprints. Du coup, je lui ai posé la question, mais du coup, sur les sprints, comment je fais? Est-ce que je dois lancer les sprints de loin, de près, etc. Et là, il m'a répondu, on peut pas savoir comme ça avec juste ce test-là, parce que les chiffres que j'ai fait, c'est des chiffres que je fais comme ça sur l'instant T. C'est pas un sprint que je fais après 100 km de course. Donc ça se trouve, après 100 km de course, je fais un score beaucoup moins bon. Ça se trouve, après 100 km de course, bah, je fais le même score et dans ce cas-là, je suis un très bon sprinter. En fait, on peut pas savoir juste avec ce test-là. Ce test-là va permettre d'établir des entraînements qui seront adaptés à ma capacité et maintenant on va pouvoir établir des choses vraiment plus précises et progresser.
On enchaîne ensuite avec le deuxième test de cette journée, le Wingate. C'est un test sur 30 secondes, 30 secondes où on va commencer avec un sprint max à bloc, mais qu'il va falloir tenir le plus longtemps possible sur 30 secondes et avoir le meilleur watt moyen sur 30 secondes. C'est un exercice très difficile et vous allez voir que ça va faire mal. Quand je vous disais que ça faisait vraiment mal. J'ai donc fait un sprint à 760 watts moyen sur 30 secondes, ce qui représente quand même un bon score, ça fait 10 watts par kilo sur 30 secondes, ce qui correspond à 57% de ma puissance max. Donc ça c'est pareil, c'est des informations qui vont servir à mon entraîneur à mieux calibrer mes entraînements. Bon maintenant on va attaquer le test que vous attendez tous, parce que vous le connaissez, c'est le test de PMA. Ce test, en quoi il consiste? Il consiste à monter de palier en palier, c'est-à-dire que toutes les 2 minutes, on augmente de 20 watts. On commence, je crois, à 150 watts, et toutes les 2 minutes, on augmente de 20 watts, de 20 watts, de 20 watts, jusqu'à temps qu'on explose. Autant vous dire que sur la fin, c'est long, c'est dur, et ça fait mal. 10 secondes. J'ai l'impression que j'ai parti sur un sprint, mais en fait, on part à 150. Non, ouais, là, ça va être assez simple. Baisse des watts, je vais mettre. Ah ouais, non, mais en fait, il va se calibrer aussi. Au niveau de la résistance. Ah. Voilà, donc là il est parti, palier 150 watts. Est-ce que toi dans ce test là, c'est que ça dure super longtemps? C'est ça. Il y a la fatigue qui rentre en compte. Ah. Allez, c'est parti, on commence à 150 watts seulement. Forcément, pour l'instant, tout va bien. Mais vous allez voir que c'est l'enchaînement de palier, palier par palier qui vont faire mal. Et en fait, sur la durée, ça va être de plus en plus difficile. Donc là, on va accélérer un petit peu et on va directement aller au palier supérieur, là où je commence à grincer un peu. Ça fait 45 secondes du premier palier. Palier de 2 minutes. On se retrouve au palier 270 watts et là ça commence à faire mal, pour rien vous cacher, à partir de 250 watts ça commence à piquer les jambes. En plus je suis pas sur mon vélo comme vous avez remarqué, pour l'instant je suis sur un vélo temporaire, je suis sur le vélo de mon petit frère qui est pas particulièrement bien à ma taille, du coup j'ai une grosse gêne au genou qui m'aide pas, mais je vais passer outre, hein. Je vais pas fausser mon test malgré ça, donc je vais tout donner sans me blesser bien entendu, et vous allez voir que je vais faire un très bon résultat parce que l'année dernière j'ai fait 340 watts avec mon homme trainer personnel qui potentiellement surestime. Aujourd'hui on est avec un homme trainer professionnel qui ne surestime pas les watts, qui est très précis, et vous allez voir que je vais battre mon record, en du moins je vais tout faire pour, hein, on va tout faire pour aujourd'hui. L'objectif c'est battre 340 watts. C'est parfait, en tout cas là, ta cadence elle est bien linéaire, tu restes comme ça là, c'est top. Allez, 290. Allez, dans 45 secondes, à 310, là. Allez. Dans 2 minutes 15, tu t'attends ton palier l'année dernière, là, Quentin. Allez. Allez, c'est super, Quentin, ce que tu fais, là. Allez. Palier 290. Allez, 310, Quentin, 310. Allez. C'est super, là. Super bien linéaire. Allez, on continue comme ça, allez. Ça c'est super, là tu l'as, la cadence elle est parfaite. C'est bien, 310. Allez, Quentin, c'est super là, tu vas passer au 330 là, allez. Dans 30 secondes Quentin, 30 secondes. Allez Quentin, ça fait mal mais c'est normal là, c'est rien qui presse là. Allez Quentin, allez. Allez, palier 330 Quentin. Maintenant, super. Allez, ça tient, Quentin, tu fais encore deux paliers là minimum, allez. Allez, super Quentin, allez. Allez Quentin, une minute et tu passes au 350, allez Quentin, allez. Allez, c'est super Quentin, après il te reste 2 minutes, dis-moi, c'est 2 minutes à se faire mal là, allez. Allez Quentin, allez. Dans 20 secondes, après c'est 2 minutes à 350 là de valider, allez. C'est super ça, allez.
Ça fait mal, mais tu peux t'aider tes bras aussi, t'as tes bras pour ça. Allez. Allez, c'est super, ça, Quentin. Allez, allez, allez. Dans 5 secondes, t'as 350. Tu me le valides, c'est 2 minutes, Quentin. 2 minutes. Allez, 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 allez. C'est parti. Allez, tu me valides, c'est bon, t'es large, t'es large. Voilà, t'es à 360 même. Allez, c'est super. Tu me valides les 2 minutes, ça. Allez, Quentin. Allez, 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 allez. C'est super, on tire, allez. On essaie de remonter. Voilà, c'est parfait. Allez, 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 on pousse, on pousse. Allez, Quentin, allez, il ne reste plus qu'une tranche, tu me valides. Allez, 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 on se fait mal. Encore, encore, c'est super. Allez. Allez, Quentin, allez, 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 allez. Encore, encore, parfait. Allez, c'est super là, ça fait mal, mais tu continues, Quentin. Allez, 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 c'est super, Quentin. Allez, on se fait mal là. C'est plus rien, 1 minute 15. Allez, 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 voilà, on se fait mal, c'est super. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Allez, 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 encore, 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 encore. Ta cadence, elle est bonne là. Allez, Quentin, allez, 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 on se fait mal, on se fait mal, on se fait mal. Allez, Quentin, c'est super là. C'est parfait encore au niveau puissance, voilà. Ça fait super mal, mais on reste comme ça, Quentin. Allez, 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 tu l'as, t'inquiète pas. Allez. Ça repart, Quentin. Allez, 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 stop. Et voilà, test de PMA terminé et avec un score validé de 355 watts, ce qui représente 15 watts de plus que l'année dernière à la même saison, donc c'est une très bonne chose, ce qui correspond à 4,7 watts par kilo parce que je pèse 75 kg. J'ai atteint une FC Max à 195 BPM, ce qui est à peu près mon maximum. En général, je monte à 200 BPM, donc là, j'étais à mon maximum. Et tout ça va me servir à définir mes zones d'entraînement, mes zones de puissance et mes zones cardiaques. Comme ça, je saurai à combien de watts je dois être pour être en zone 1, zone 2, zone 3, jusqu'à zone 7, et pouvoir faire des entraînements ultra ciblés et progresser un maximum durant cette saison. Parti, 350. Voilà, hop, c'est parfait là. Hop, regarde plus, voilà, parfait. On est bon. Et maintenant, on part pour le tout dernier test, la résistance à mon résultat de PMA. C'est-à-dire que là, on part avec 350 watts dans les jambes et l'objectif, c'est de le tenir le plus longtemps possible. Autant vous dire que ça aussi, ça fait très, très mal. L'objectif, c'est de le tenir entre 2 et le plus longtemps possible. Et à partir de 4 minutes, on sera sur un bon score. 6 minutes, ça serait vraiment incroyable. Maintenant, combien de temps je vais tenir ? Allez, descends une dent si possible. Ça va faire mal, allez. Voilà. Allez, allez, on y va maintenant, là. Allez, 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 c'est parfait, regarde. Hop, tu l'avais, là. Allez. C'est parfait. Allez, t'as déjà quasiment fait une minute, là. Allez. C'est parfait, ça, Quentin. Allez, 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 allez. Allez, 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 c'est parfait. 350, 360. Allez, on reste comme ça, Quentin. Allez, c'est super, c'est parfait là, t'es à 349, parfait. Allez, allez. Tu l'as maintenant, on regarde plus l'écran. Allez, 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 c'est super ce que tu fais là. Allez, on continue comme ça. Et ça fait 2 minutes 30 là, allez. Allez, allez, c'est super ça, Quentin, allez. Allez, allez, Quentin, tu vas arriver aux 3 minutes là. Allez, allez, c'est super ce que tu fais, Quentin. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, là. Allez, allez, allez. Allez, si tu fais 2 minutes, c'est vraiment parfait, là, encore. Allez. Allez, allez, si tu peux faire plus, c'est que du bonus. Allez, allez, Quentin, allez. Allez, Quentin, c'est super. Allez, 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 on essaie de garder une bonne cadence, là. C'est super ce que t'as fait. T'es déjà rendu à 3:30. Allez, au moins 30 secondes, là. Allez, c'est super, là. Allez, 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 allez. Tu me fais minimum les 4 minutes, Quentin, là. Allez. Allez, 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 allez. C'est super ce que tu fais, Quentin. Allez, allez, 20 secondes, dans 20 secondes, t'as 4 minutes. Allez, tu me fais les 4 minutes, Quentin. Allez. Allez, 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 ça fait mal, mais c'est normal. Allez. Allez, Quentin. Allez, 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 allez. Allez, Quentin, allez. Encore, 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 encore. Allez, allez, allez. Allez, 15 secondes maintenant. Allez, 15 secondes. Allez. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, c'est que du bonus si tu peux continuer. Allez, c'est que du bonus si tu peux continuer maintenant. Allez, allez, Quentin, dans 15 secondes, t'as les 4:30. Allez, chaque seconde compte là. Allez, Quentin, allez, dans 10 secondes, t'as 4:30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien.
Bon, test terminé. Ça a donné quoi du coup? Très bon test que tu as fait. Donc on a pu en parler avant aussi par rapport à ton test de l'année dernière. On a une amélioration sur les différents profils de sprint. On a pu trouver le tien, là où tu te sentais le mieux, là où on a eu le plus haut pic de puissance. Un wingate vraiment bien réalisé aussi, donc avec un bon pic de puissance, et t'es resté à une haute puissance cible quand même durant un long moment sur les 30 secondes. Et le test incrémental, super bien réalisé, voilà, avec une cadence super longiligne, réalisé jusqu'au bout, avec une évolution en plus. Donc non, là-dessus, c'est un bon point. Ouais, et puis je suis content, j'ai battu le record de l'année dernière, sachant qu'en plus l'année dernière j'étais avec mon entraîneur personnel qui est du coup moins précis et qui surestime sûrement, donc plutôt cool. Du coup maintenant qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir calibrer mes entraînements, c'est ça le but à la base. Donc on va aller sur Nolio, qui est une plateforme d'entraînement avec quoi je travaille avec Elian. Du coup on met tous les entraînements dessus, mais ça on va vous montrer ça là-bas. Bon du coup maintenant on va vous présenter Nolio, la plateforme d'entraînement qu'on utilise du coup au quotidien depuis quasiment un mois maintenant. Pour toute la saison de course à pied que j'ai fait du coup en Thaïlande, vous avez pu voir, je suivais les entraînements sur Nolio. D'ailleurs, Nolio, sponsor de cette vidéo, merci beaucoup. Et du coup, on va voir un petit peu comment Lilian met les entraînements pour que je puisse savoir en fait quoi faire. Et voilà. Là, je te suis, je connais pas. Moi, je décide de fonctionner avec cet affichage-là, puisque ça me permet vraiment de voir ce que moi j'ai prévu et de voir ce que Quentin a pu réaliser. Je peux te mettre du renforcement, de la course à pied, voilà, tu peux tout voir. Et voilà, un petit plus que moi je vois, que Quentin ne voit pas, c'est que je peux mettre des petites annotations, des petites notes, notamment sur voilà, des transitions ou alors en cas de maladie. Voilà, il y a des jours où on voit par exemple, qu'il n'y a rien de prévu, c'est parce que Quentin était malade. Donc voilà, il y a vraiment possibilité d'avoir un suivi avec Nolio et d'avoir aussi des statistiques en soi sur la perception de l'effort durant la séance et la perception aussi, les sensations durant la séance de manière générale. Il met tous les entraînements du coup sur Nolio. Moi avec mon téléphone, j'ouvre l'application. J'ai la même chose en fait, j'ai le prévu et le réaliser forcément. Et en fait, ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'il y a un bot sur Messenger. Alors moi, j'utilise beaucoup Messenger pour parler avec mes amis. Du coup, j'ai paramétré le bot Messenger. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un entraînement, la veille à 19h en général, il me dit demain, entraînement prévu. Hop, déblocage, 45 minutes, je dois faire ça. Je reçois ça dans mes messages. Donc en fait, je peux pas louper. Je peux pas dire, oh, j'ai oublié de regarder Nolio. En fait, je reçois un message comme si je recevais un message d'un ami. Donc en fait, j'oublie jamais. Et puis après, il me demande à chaque fin d'entraînement, comment j'ai perçu, donc comme expliquait Lilian, l'entraînement, est-ce que j'ai senti ça difficile, est-ce que je me suis senti en forme, sur 1 à 10, est-ce que c'était dur? Du coup, moi, je mets toujours en fait la perception que j'ai eue, donc là, par exemple, ce jour-là, j'ai considéré que j'avais fait 3 sur 10 niveau effort. Je mets toujours un petit commentaire, comme ça, Lilian, lui, il peut voir un petit peu comment je me suis senti. Par exemple, ce jour-là, j'avais mal au tibia. Lui, comme ça, il sait que j'ai mal au tibia et il va pouvoir s'adapter pour la semaine d'après, peut-être mettre un petit peu moins difficile. Tout à fait, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, on permet à la semaine de pouvoir planifier les entraînements et de ne pas prévoir 3 semaines d'avance, ou dans ce cas-là, on ne fait pas en fonction des sensations et de ton ressenti. C'est ça, et là, c'est vraiment un coaching personnalisé, du coup, par rapport à tout ce que je demande et tout ce que mon corps subit aussi. Et du coup, moi, de mon point de vue d'entraîner, en fait, j'ai exactement la même chose sur mon application, avec mes entraînements réalisés et mes entraînements prévus. Donc, si je veux voir, c'est la même chose. La seule différence, c'est que moi, je ne peux pas ajouter d'entraînement, parce que ça, ce n'est pas mon boulot. Maintenant, on a tout ce qu'il faut, du coup, pour faire des entraînements calibrés à ma capacité. Donc, il n'y a plus qu'à s'entraîner. C'est exact. Bon bah y'a plus qu'à. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour des prochains entraînements ou même bientôt des courses. À la prochaine. Bye bye.